Matt. Christophe Ondelatte. Je vous ai déjà raconté l'affaire Jourdain. C'est une histoire qu'on n'oublie pas, n'est-ce pas? Ces deux frères qui, un soir de carnaval au Portel, dans le Pas-de-Calais, en 1997, enlèvent quatre jeunes filles, les violent, les étranglent et les enterrent dans le sable. Je vous propose de vivre maintenant une expérience unique. Cette histoire, racontée par le policier qui a dirigé l'enquête. Il s'appelle Romuald Müller et il publie un livre aux éditions Michelon, Ce petit morceau de tissu rouge. Voici donc cette histoire unique et bouleversante. Je l'ai écrite avec Tuc Duhal de Dieu le veut, réalisation Boris Paczynski. Europe 1, Christophe Ondelatte. Cette affaire a changé ma vie. Et elle m'imprègne encore. 25 ans après, pour moi, il y a eu un avant et un après. Peggy, Amélie, Isabelle et Audrey m'ont marqué à tout jamais. Je me souviens comme si c'était hier de mon premier contact avec elle. C'était un lundi de février 1997. Comme toujours après le week-end, quand j'arrive au bureau, je me fais un café au secrétariat et je m'installe à mon bureau avec le journal La Voix du Nord. Je revois ce journal comme si c'était hier. Quatre photos d'identité à la une. Quatre jeunes filles souriantes qui respirent la vie. Deux fois deux sœurs. Deux jeunes majeurs et deux mineurs. Le journal dit qu'elles ont disparu. Et moi je me dis, c'est une fugue. Enlever quatre personnes en même temps, c'est inconcevable. Mais très vite je réalise qu'elles sont portées disparues depuis une semaine. C'est long pour une fugue. À l'époque, j'ai 33 ans et je suis papa de deux petites filles de 4 et 2 ans. Comment est-ce que ça se passera quand elles auront leur âge et qu'elles voudront sortir? Une heure plus tard, je suis dans le bureau du directeur. Salut Romuald, assieds-toi. Bon, je viens d'avoir le procureur. Il nous confie l'affaire des quatre gamines disparues au carnaval du Portel. T'es au courant, je suppose? Ouais. Je viens de lire le journal. T'as conscience qu'il va nous falloir pas mal de moyens, hein, pour l'enquête, parce que là, on est dans un contre-la-montre, hein. Je fonce sur place avec la moitié de mon équipe, soit 10 enquêteurs, dès la fin de matinée. J'en ai pour une heure et demie d'autoroute, seul, dans ma Clio grise, à retourner cette affaire dans ma tête, à organiser les choses. À la radio, on diffuse en boucle des reportages autour de la disparition des quatre filles. Moi, pendant ce temps-là, mon cerveau est en ébullition. On va être noyé sous les informations. Il va falloir canaliser tout ça pour être efficace. Faudra mettre en place un numéro vert pour obtenir des témoignages. Quand on arrive à Boulogne-sur-Mer, il y a des affiches avec leurs photos partout. Sur les troncs d'arbres, les feux tricolores, les vitrines, les pare-brises des voitures. Ça fait 6 jours. Qu'elles ont disparu. C'est le commissaire central qui me reçoit. Il a l'air inquiet, un peu sur la défensive. Je vois bien qu'il veut me montrer que jusque-là, ses équipes ont fait le maximum. Même si sur le moment, elles n'ont pas perçu la gravité des faits. À leur décharge, l'enlèvement de 4 personnes en même temps, c'est impensable. Suivez-moi, monsieur Müller. Je vais vous montrer le bureau qu'on vous a réservé, au premier étage. C'est le bureau de mon adjoint, il est en congé. D'accord. Dites, il faut qu'on nous fasse installer rapidement des lignes téléphoniques. Eh oui, en 1997, on n'a pas de téléphone portable.
Et voilà, le régime sandwich s'organise, les cafetières se remplissent, et moi j'ouvre mon cahier d'enquête. Ça c'est ma technique, une double page par vérification. Je ne vais pas bouger de ce bureau. Mon travail est d'organiser le travail des enquêteurs, de relire les procès-verbaux, d'y chercher le moindre élément, de relever la moindre contradiction entre les auditions. Faire avancer l'enquête en m'attardant sur tous les détails. Quelques heures plus tard, premier brief avec mes équipes. Ça fait 3 ans que je dirige la brigade criminelle. Je les connais bien. Le courant passe. Dis-moi, est-ce que quelqu'un a la procédure initiale? Tu peux me la passer, s'il te plaît? Elle n'apporte pas grand-chose. Mais il y a dedans la description très précise des costumes, des déguisements que les 4 filles portaient ce soir de carnaval. Amélie était en Pierrot, Isabelle en Indienne, Peggy en Marquise et Audrey en Mousquetaire, rouge. Bon, toi et toi, vous allez dans le secteur à la recherche de témoignages. Vous, vous allez perquisitionner la chambre des 4 gamines et vous en profitez pour prendre leur brosse à dents et leur brosse à cheveux pour relever l'ADN, ok? Par ailleurs, il faut explorer la piste des petits copains. Hein. Faut savoir si elles en avaient un. Les mamans ont déjà été entendues par les collègues de Boulogne. Mais je veux les revoir, pour nouer le contact avec elles, pour me faire ma propre opinion. Je les rencontre l'après-midi même. 2 femmes, soudées dans la douleur. Une fugue, c'est impossible. Impossible. Je suis trop complice avec mes filles, pour qu'elles soient parties comme ça sans me le dire. Elles m'ont convaincu. J'écarte tout de suite la piste de la fugue. Mardi 18 février, ça fait 1 semaine qu'elles ont disparu. Qu'est-ce qu'on a pu oublier comme vérification? C'est ma hantise, passer à côté de quelque chose de crucial. La nuit dernière, j'ai peu et mal dormi, et mon équipe aussi. C'est un contre-la-montre. Il faut avancer vite et fort. Et en même temps, c'est aussi un marathon. On doit tenir sur la durée. Alors on ne mange pas vraiment, on s'alimente, on se nourrit de sandwichs, de barres de céréales, et de café, et d'eau. Tout ce qu'il faut pour que notre corps tienne. J'ai obtenu des moyens supplémentaires. Maintenant on est 30. Et tous les matins et tous les soirs, on se retrouve dans une salle de réunion pour un briefing. Il s'agit de partager au maximum les informations, et d'assurer la cohésion de l'équipe. Ça dure 20 minutes. Hier, on a fait diffuser le numéro vert. À l'autre bout, toute la journée, 2 agents pour répondre et 1 la nuit. Vous étiez où? D'accord. Il était quelle heure? Pour l'instant, on a 60 de témoignages à vérifier. Heureusement, parfois, il n'y a rien à vérifier. Voilà, je suis médium et je sais où sont les filles hein, que vous recherchez. Elles sont sur une barque, quelque part entre la France et l'Angleterre. Il y a aussi des signalements trop flous. J'ai vu l'une des 4 filles dans une Mercedes noire. D'accord. Vous avez le numéro de la plaque? Ah, malheureusement, non. On va sur place. On vérifie. C'est très frustrant. Ça monopolise du monde et ça n'aboutit à rien. Jusqu'à ce que 2 témoins troublants suscitent un nouvel espoir. Le premier est un retraité de la police nationale. J'habite à Nice. Et je les ai vus le 15 février sur la promenade des Anglais. Pour nous, c'est un ascenseur émotionnel. Alors on demande à la PJ de Nice de vérifier. Un deuxième signalement nous vient du commissariat d'Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais. Bon, alors c'est une caissière d'un restaurant flunch de Noyelles-Godot. Elle
dit qu'elle a servi une jeune fille qu'elle identifie comme étant Audrey hier dans l'après-midi. Alors on va au restaurant, on prend la liste des cartes bancaires utilisées hier, et comme ça on remonte jusqu'à une femme qui confirme les propos de la caissière. Pour la première fois, on a un témoignage confirmé par une deuxième personne. C'est une vraie lueur d'espoir. Du coup, le soir même, lors d'une conférence de presse dans son bureau, le procureur s'emballe un peu. Disons que des indications plus favorables laissent penser qu'il ne leur est pas arrivé malheur. Et cette hypothèse est reprise en boucle par la presse. Dans l'entourage des quatre filles, personne. En parallèle, les proches des quatre gamines ont collé des affichettes partout sur la côte. Et c'est à la suite de ça qu'une rumeur commence à circuler. Bon, j'ai eu plusieurs témoignages qui évoquent un fourgon blanc avec des rayures vertes sur le côté. Il a été vu ce soir-là au portel. Et on a des morceaux d'immatriculation, tu notes ? 75-95 ou 73-83, MJ, et après on ne sait pas, ou NJ. On fait des recherches en croisant toutes les combinaisons. Ça ne donne rien. Dans la foulée, je reçois un appel de la gendarmerie d'Étaples-sur-Mer. Dites-moi, nous avons reçu l'appel anonyme malheureusement d'un homme qui dit avoir remarqué des mouvements suspects d'un fourgon J5 blanc avec des rayures vertes sur le côté. On a l'immatriculation 7554 PN59. Il nous dit qu'au volant, il y avait un homme corpulent avec une moustache. On vérifie. L'immatriculation correspond bien à un fourgon. Il appartient à un certain René, qui n'est ni corpulent, ni moustachu. Oh, mon camion ! Ben, je l'ai vendu il y a 5 mois, à un gars de Danne. Le gars, il s'appelait Jean-Pierre, je crois. Lequel Jean-Pierre nous dit qu'il a revendu le fourgon. Oh, ben, je l'ai revendu à un gars de Danne, là. Jean-Michel Jourdain, qui s'appelle. On de la traconte, la suite de votre récit. On a un nom. Et un prénom. Alors on le passe au fichier. Le pédigré du gars fait froid dans le dos. Attentat à la pudeur. Coup et blessure sur son père. Et surtout, une condamnation en 86 à 15 ans de prison pour viol, suivi de meurtre. Une gamine de 18 ans qu'il a étranglée à mort avec un lacet sur la plage. Il est sorti de prison il y a moins de 2 ans. On m'envoie son dossier par fax. Je vois son visage pour la première fois. Son visage très dur, qui fait penser à une brute épaisse. Et son regard, arrogant. Bon, alors ce Jean-Michel Jourdain a un frère, Jean-Louis. Même profil, hein, avec une condamnation à 10 ans en 88 pour avoir violé et étranglé une femme avant de la laisser pour morte. Il a été libéré il y a 2 ans. Il y a un troisième frère, Jean-Luc. Condamné pour attentat à la pudeur pour des faits commis avec son frère en 78. D'après les gendarmes d'Étaples, ce sont des ferrailleurs qui vivent dans un taudis avec un sol en terre battue. On les connaît bien, hein. On intervient souvent chez eux. Hein. Une fois, on a voulu interpeller Jean-Michel Jourdain, vous savez ce qu'il a fait ? Non, 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 allez-y. Eh bien, il a sauté dans la fosse à Purin pour se cacher, avec une paille pour respirer. Son dégât, il leur arrive de se bagarrer dans le jardin... Et de soulever des machines à laver qui traînent de ci de là pour se les balancer à la figure. Vous voyez le genre. Ils ont le profil. Je m'attends au pire. Ils les ont peut-être juste séquestrés. Mais c'est si peu probable. Maintenant, il faut trouver un juste équilibre entre vitesse et organisation. Avant de les arrêter, il faut vérifier plein de choses. Par exemple, est-ce qu'ils ont un permis de chasse, et donc des armes ? Est-ce qu'ils ont des animaux ? Quel est le plan de leur maison ? Qui vit avec eux ? Est-ce qu'ils travaillent ? Et si oui, à quelle heure est-ce qu'ils embauchent ?
Cette nuit, je ne suis pas rentré chez moi. J'ai pris une chambre à l'hôtel tout près du commissariat, mais j'ai mal dormi. Faut dire que j'ai laissé ma radio allumée sur ma table de nuit à l'écoute des moindres mouvements de mes équipes. Et là, je viens de me lever. Il est 4h30 du matin. L'interpellation des frères Jourdain est prévue à 7h. J'aurais pu aller à Dannes pour participer à l'arrestation de Jean-Luc Jourdain. Mais Jean-Michel semble être le plus dangereux. Et lui, il habite à Étaples. C'est là que j'ai choisi d'être ce matin, au moment où à 7h, les agents défoncent sa porte avec un bélier. On savait qu'il avait des chiens. Alors on est venu avec la brigade canine pour maîtriser ces deux molosses. Nos gars trouvent Jean-Michel au lit, avec sa femme. Et contre toute attente, Jean-Louis Jourdain est là aussi, avec sa femme, dans une deuxième chambre. Bon, messieurs, je vous indique à dater de cet instant, vous êtes placés en garde à vue pour enlèvement, détention, séquestration de 4 jeunes filles qui ont disparu le 11 février au carnaval du Portel. Le 11 février au Portel? N'importe quoi. J'étais chez moi. J'ai regardé la télé. Je peux même vous dire le programme, hein. Ils n'en diront pas plus dans l'appartement. Là-dessus, je file à Dannes, où Jean-Luc Jourdain vient d'être interpellé à son tour. Le baraquement où il vit avec sa femme, ses 3 enfants et ses 2 parents est un cloaque. On peut même pas parler d'une maison. Le sol en terre battue, une pièce à vivre, 3 chambres, et des chiens, des poules, du linge moisi sur le sol, pas de toilette, pas de salle de bain. La misère sociale. On est hors du temps. La juge d'instruction, Madame Vacogne, m'a demandé d'être informée en temps réel. Bon alors, Madame la juge, qu'est-ce qu'on fait avec le fourgon ? Écoutez, je crois que pour l'instant, vous pouvez vous contenter de l'ouvrir, hein, pour regarder s'il n'y a rien dedans, mais bien sûr, vous ne rentrez pas. Hein. Le fourgon est vide, mais il y a des traces rougeâtres qui ressemblent à du sang. Quelques heures avant l'interpellation des frères Jourdain, on a recueilli le témoignage qu'on attendait désespérément depuis le début. Bon voilà, moi et ma femme, on a vu le fourgon plusieurs fois le soir du 11, au carnaval. Il y avait 2 hommes dedans. Et franchement, on les a trouvés louches. Ben alors on les a suivis. Et je dirais vers 1h du matin, près du panneau d'entrée des quais à plage, on les a vus qui discutaient avec 3 personnes sur le bas-côté. Il y avait une fille qui était déguisée en mousquetaire rouge. Alors on a voulu prévenir la police. Mais on n'a pas croisé de policiers. Alors on est rentré chez nous. L'audition d'un criminel est un exercice très particulier. Il faut trouver la porte d'entrée. Il faut comprendre le raisonnement du suspect pour raisonner comme lui. Ça s'apprend à l'école. Mais c'est surtout une question d'expérience. Et c'est à moi de choisir les binômes qui vont mener chacune des auditions. Je dois pas me tromper. Je dois trouver des duos complémentaires. Pas le bon et le méchant, comme dans les films. Je dirais plutôt celui qui monte dans les tours et à côté celui qui rassure. Alors je me mets à composer les duos sur mon cahier d'enquête. Pour Jean-Louis, j'ai bien envie de mettre Philippe. Il est originaire du coin, Philippe. Il parle le patois et il sait entretenir une conversation. Et avec lui, je mettrais bien René. Il est plus réservé. Il est moins frontal. C'est une vraie relation à 3 qui va s'installer pendant plusieurs heures. Personne d'autre n'entrera dans la pièce. Pas même moi. Au début,
Il ne s'agit pas de discuter du fond de l'affaire, mais de comprendre qui ils sont. Bon, on ramasse la ferraille, quoi. Et puis aussi, moi, j'ai un contrat emploi solidarité, comme ils disent. Ah, étape. Ils parlent de la famille, de leur père. Oh, le père, il est maçon. Il boit comme un trou. Ah, dès qu'il a un verre de trou, il cogne sur tout ce qui bouge. Au bout d'une demi-heure, mes hommes comprennent que Jean-Michel est un écorché vif, avec énormément de haine en lui. Il en veut à tout le monde. S'il en est là, c'est la faute à la société. On sent qu'il peut exploser à tout moment. Jean-Louis inspire moins de crainte. Il est sournois, avec un côté flegmatique, mais plus soumis. L'audition sur le fond ne débute qu'en début d'après-midi. Question très simple. Qu'avez-vous fait le soir du 11 février ? Ils répètent qu'ils ont regardé la télé et ils récitent les programmes dans le détail. Et bien sûr, ils ne sont pas allés au carnaval. Bien, on va prendre votre ADN, ouvrez la bouche. Voilà. Bon, vous allez vous reposer un peu en cellule, hein. On se revoit tout à l'heure. Et on profite de cette pause pour faire un point tous ensemble. Moi, perso, je pense que Jean-Michel, on n'en tirera rien de rien. Moi, Jean-Louis, on a bien établi un contact quand même avec lui. Je pense qu'il peut nous raconter des choses. Ça se confirme dès la reprise de l'interrogatoire de Jean-Michel. Mais je leur ai rien fait, moi, ces femelles. Mais Jean-Louis fait un grand pas. Je reconnais. Je suis allé au carnaval avec mon frère. Il peut en dire beaucoup plus. On le sent, mais il est fatigué. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On continue ou on joue la carte du repos ? Il va recharger ses batteries, mais il y a un risque. Un risque qu'il ne parle plus demain. J'appelle la juge. Ouais, je pense que vous avez raison. Vous pouvez arrêter les auditions à 20h, hein. Vous les reprendrez demain matin à la première heure. Quant à Jean-Louis, il refuse d'avancer dans sa version des faits. Alors René et Philippe tentent la proximité. Ta petite sœur, elle est morte d'une maladie quand elle était petite, hein ? T'y vas souvent sur sa tombe ? C'est important, hein, d'avoir un endroit pour se recueillir, tu crois pas ? Les quatre filles, elles ont droit à une sépulture décente, tu penses pas ? Et là, d'un coup, la digue craque. Il se met à trembler. Il est à la limite du malaise. On les retrouvera jamais, les filles. Elles sont mortes. Elles sont sous la dune à Sainte-Cécile. Il raconte. Il est allé au carnaval avec son frère. Ils ont bu des bières. Ils ont vu les quatre filles faire du stop, ils se sont arrêtés, elles sont montées à l'arrière. Et lui est passé derrière avec elles. Ils ont garé le camion et ils sont partis avec elles vers un blockhaus. Une fois dedans, Jean-Michel lui a demandé de surveiller les filles pendant que lui partait avec celle qui était déguisée en indienne. Et il est revenu pour en prendre une deuxième. Et ainsi de suite. Et après, Jean-Louis a rejoint son frère sur la dune. Elles étaient là. Toutes les quatre, mortes. Alors ils sont allés chercher une pelle et ils les ont enterrées. Il n'a pas parlé de viol, mais on n'a pas beaucoup de doutes. Il accepte de faire un dessin de l'endroit. Il est 13h. On touche au but. On a mis en alerte une société de pompes funèbres. On est vendredi. Faut pas qu'on soit pris de court. Dans la voiture, l'ambiance est un peu particulière. On n'entend que le bruit des essuie-glaces. Jean-Louis est à l'arrière, les mains menottées dans le dos. En roulant, je vois partout les affiches avec leurs photos. Elles ont forcément compris ce qui leur arrivait.
Elles ont dû avoir peur, elles ont dû paniquer. Est-ce qu'elles ont tenté de négocier? Est-ce qu'elles les ont suppliées? Une fois sur place, on fait sortir Jean-Louis de la voiture pour le suivre. Et là, je réalise que son scénario ne tient pas. Elles n'ont pas pu les suivre sur ce chemin de nuit, avec leur tenue de carnaval, c'est impossible. Et puis soudain, Jean-Louis nous dit « C'est là ». Alors les pompiers se mettent à creuser. Ils arrivent rapidement à 60 cm de profondeur, mais toujours rien. C'est là, je vous dis. Ils continuent de creuser. Et soudain apparaît un petit morceau de tissu rouge. Je me tourne vers Jean-Louis. Pour la première fois, il me regarde dans les yeux, comme pour me dire « Tu vois, je t'ai pas menti. » Disons qu'il affiche un peu d'humanité. Mais ça ne dure pas longtemps. Il baisse à nouveau la tête. Il observe la fosse. Il ne manifeste pas la moindre émotion, le moindre regret. J'ai l'impression d'avoir un monstre imperturbable en face de moi. Les quatre cadavres sont là, devant nous. C'est difficile de mettre des mots sur ce que nous ressentons. On mène un combat intérieur, tous, pour ne pas se laisser submerger par l'émotion. Moi, j'ai beaucoup de mal à retenir mes larmes quand je revis cette scène. L'arrivée des quatre corbillards aux abords de la plage est évidemment relayée par la presse. Et les deux mères, Marie-Josée Merlin et Laure Lamothe, apprennent la nouvelle par la radio. Elles n'auraient pas dû. Je culpabilise de ça. Pour moi, c'est encore une plaie ouverte. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté la terrible affaire Jourdain à travers le regard passionnant de Romuald Müller, le patron de la crime de Lille à l'époque, l'homme qui a dirigé cette enquête. Et c'est un récit que j'ai tiré de son livre qui paraît chez Michelon, ce petit morceau de tissu rouge. Et c'est avec lui, naturellement, que je débriefe cette histoire. J'ai l'impression, Romuald Müller, que vous avez écrit ce livre sans forcément replonger dans le dossier, juste avec vos souvenirs. On a l'impression qu'ils sont tellement ancrés dans votre tête. Effectivement, c'est une affaire, il y a un avant et un après pour moi dans ma vie professionnelle et aussi dans ma vie personnelle. Et j'ai autour de cette affaire tellement de choses gravées dans ma mémoire qu'elles ressortent, elles sont en profondeur, mais elles ressortent dès que j'évoque cette affaire. Vous êtes retourné au dossier néanmoins ou tout ça s'est fait de tête? Je suis un petit peu retourné au dossier pour quelques détails, oui, mais la trame générale et notamment l'émotion qui se dégage et qu'on souhaitait dégager dans ce livre avec Elodie Rabé, parce que avant Elodie Rabé, c'est la co-auteur. Tout à fait. Journaliste à La Voix du Nord. Et on voulait transmettre cette émotion, passer de l'information justement à l'émotion et surtout rendre hommage aux victimes et donc ça, cette émotion, elle est intacte, elle est en moi. Après, les détails de l'enquête, il fallait aussi se replonger dans le dossier pour pouvoir les livrer au lecteur. Pourquoi est-ce que cette affaire vous a marqué plus que d'autres? Parce que vous êtes un grand flic, vous avez de l'expérience, on a vu des dizaines, des centaines de cadavres dans votre vie. Je pense que, comme vous l'avez dit au début, quatre jeunes filles en même temps, c'est absolument incroyable. Et puis cette affaire est un peu un ascenseur émotionnel, parce que d'un côté, on vérifie, et c'est la thèse de l'espoir, on vérifie des endroits où on nous les signale. Donc on peut toujours espérer, et humainement, on espère forcément retrouver que ce soit une fin heureuse. Et dans le même temps, on retrace la soirée et on cherche le point de rupture. Et on sent bien qu'il va se passer quelque chose et que forcément, il y a eu une fin tragique. Donc on est un
peu schizophrène, et donc c'est assez difficile à gérer sur le plan humain. Une disparition, ça se, c'est très compliqué en fait comme, comme enquête. C'est, il y a une pression beaucoup plus forte, pas la pression des hommes, ça on sait gérer, la pression d'une hiérarchie, c'est notre métier, mais la pression des faits et l'envie de pouvoir... Il y a un défi quoi. Il y a un défi de court terme. De rendre hommage à la famille, de retrouver les corps, parce qu'on a vite compris quand on a vu les deux mamans, en tout cas dès le lundi après-midi, j'étais persuadé qu'elles n'avaient pas pu fuguer ou ça aurait été une fugue de quelques heures. Mais pas près d'une semaine. Les mamans, on sent qu'elles vous ont beaucoup touché aussi. Et là encore, vous avez vu des centaines de familles de victimes dans votre carrière. Marie-Josée Merlin et Laure Lamotte, elles sont décédées toutes les deux aujourd'hui. Oui, elles m'ont beaucoup touché parce que ce sont déjà des mamans qui étaient abîmées par la vie. Les jeunes filles aussi avaient perdu quand même déjà un de leurs parents. Donc c'est à 17 ans, 20 ans, c'est pas tout à fait la norme. Et j'ai senti, notamment chez Laure Lamotte, énormément de un poids sur ses épaules et qu'on ressentait dans ses yeux et quand un côté fusionnel avec ses filles qui faisait que lorsqu'elle vous dit non, elles n'ont pas pu fuguer, vous ne pouvez pas ne pas la croire. Il y a dans votre bouquin des tas d'infos passionnantes sur la manière dont vous travaillez. Des choses qui peuvent paraître accessoires, mais qui, moi, m'ont beaucoup intéressé. Alors, par exemple, vous parlez d'un régime sandwich-café qui s'instaure tout de suite. Donc, comme dans Maigret, vous n'allez pas au restaurant. Non, alors encore moins sur une affaire de disparition, parce que c'est une vraie course contre la montre. Et dès que vous consacrez du temps à autre chose que l'enquête, vous avez le sentiment de ne pas faire votre devoir. Donc, si on pouvait, on travaillerait aussi sans la nuit, sans manger, sans dormir. Parce que c'est la disparition, chaque seconde compte. C'est pas comme une affaire d'homicide où vous découvrez un corps et vous avez le temps, vous démarrez des constatations, vous mettez le temps qu'il faut sur les constatations et vous déroulez progressivement. Là, c'est vraiment une course contre la montre et à la fois un 100 mètres et un marathon. Question technique misérable, mais on vous les paye ces sandwichs ou ça vient de votre poche? Oui, non, c'est quand on est en déplacement, oui, on est défrayé. Vous racontez que vous dormez pas beaucoup, quelques heures seulement par nuit. Là encore, hein, question misérable, vous avez des récup après ou pas, ou c'est un don complet de soi cette affaire? Oh, la police judiciaire, ça a donc complet de soi. Les femmes et les hommes de la police judiciaire sont des gens qui sont engagés, totalement engagés, et très professionnels, qui comptent pas leurs heures. Elles sont marquées sur un cahier, et puis un jour, ça peut servir en toute fin de carrière. Mais quand vous travaillez sur une affaire comme ça, vous êtes dans votre bulle, et le reste de votre vie d'homme ou de femme ne compte plus. Vous êtes dédié à 100% à cette enquête. Alors vous recueillez des dizaines de témoignages et moi ça m'a beaucoup intéressé parce que il y a ces gens à Nice, enfin cet ancien policier quand même à Nice qui dit qu'il les a vus sur la promenade des Anglais, il y a cette femme qui les a vus chez Flunch, il y a cette femme qui confirme qu'elle aussi les a vus chez Flunch et tous ces gens se sont trompés. Ça veut dire quoi? Que les témoignages n'ont pas de valeur? Non, ça veut dire qu'il faut toujours prendre du recul sur tout témoignage visuel. Des preuves scientifiques apportent quelque chose de formel, mais des témoignages visuels... C'est dans beaucoup d'affaires comme ça. Oui, c'est l'application de la devise de la police judiciaire, croire et douter. C'est-à-dire que c'est un axe d'enquête qui mérite d'être creusé, donc il faut y mettre des moyens pour aller au bout, mais il faut garder le recul, et c'est très important, et je pense que c'est une des forces de la police judiciaire, d'avoir toujours ce recul et de dire « Ok, c'est peut-être pas complètement... Il y a peut-être un problème, donc il faut garder... Il faut rester ouvert sur le reste de l'enquête. » Plus que le procureur de la République, qui fait une conférence de presse pour dire « Ah, il y a de l'espoir !» C'est-à-dire qu'un seul élément ne permet pas d'affirmer qu'elle revienne, ça c'est clair. Ces témoins-là, ils font cette démarche sincèrement ou il y a un côté « je me fais mousser » ? Non, je pense que là, quand vous avez une disparition qui est relayée comme ça dans la presse, les gens ont réellement envie, enfin, ils veulent à tout prix apporter leur concours et ils veulent aider. Donc s'ils ont vu quelque chose, c'est en général en toute bonne foi. Ce qu'il y a, c'est que parfois, la bonne foi, est-ce que les gens sont réellement physionomistes? On maîtrise pas ça, on ne connaît pas leur capacité à donner de l'information. C'est quand même intéressant parce qu'il y a plein d'affaires, notamment où on arrive devant la cour d'assises sur la base de témoignages. Or, il faut savoir que les témoignages, on n'en a pas copie. Donc, quand on raconte quelque chose à un policier, il vous le fait signer, il ne vous donne pas copie de votre témoignage. 3 ans après, devant la cour d'assises, les gens racontent l'inverse de ce qu'ils ont dit sur procès verbal.
Oui, ça peut arriver. C'est pour ça que on recherche. Témoignage, c'est moyen. Hein, on recherche surtout des témoignages qui soient corroborés par d'autres éléments. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on avait une information, on va sur place, on recherche d'autres personnes. Et en l'espèce, à Noyelles-Godault, on a deux témoignages. Donc c'est assez troublant. Pourquoi est-ce que les mères, à travers toute la campagne d'affichage qu'elles font avec leur famille, etc., entendent parler du fourgon avant vous? Alors, parce que vous avez le numéro vert. Il y a eu une sorte d'enquête parallèle qui a débuté dès le lendemain de la disparition. Elle signale la disparition, c'est dans la nuit du mardi au mercredi. Les mamans le signalent le mercredi soir au commissariat de Boulogne. Le jeudi, vendredi, samedi, il y a 3 jours d'enquête parallèle fait par la famille. Et donc, il y a un certain nombre d'informations qui remontent. Et c'est pour ça qu'on cherche à récupérer ces informations. Et quand on a l'information sur le fourgon et surtout, malgré le fait qu'on n'ait pas un numéro d'immatriculation précis, on a quand même un signalement des caractéristiques sur ce fourgon, ce qui fait qu'on fait ce qu'on appelle une diffusion au niveau local à tous les services de police et de gendarmerie. On diffuse les caractéristiques de ce fourgon. Et c'est à partir de cette diffusion que la gendarmerie d'étape va nous dire « Nous, on vient de voir un fourgon qui correspond à ce que vous nous avez décrit dans votre message. » Mais quand même, ça doit être les boules quand on découvre que ce sont deux amatrices qui font avancer à ce moment-là cette enquête et pas vous. Je ne dirais pas ça parce qu'en fait, c'est encore une fois, la gendarmerie d'Étaples nous relaie ce qu'on appelle notre réseau. On leur a dit, voilà, on est à la recherche d'un fourgon blanc avec des couleurs différentes. Et ils nous appellent en nous disant, on a vu votre diffusion et on vient de voir ce fourgon. Ouais. Et là, ils nous donnent le bon numéro. Ouais. Donc, mais forcément, la famille ne croyant pas à la thèse de la fugue, la police judiciaire intervient un lundi alors que la disparition a eu lieu dans la nuit du mardi au mercredi. Donc il y a forcément un retard à l'allumage, si j'ose dire. Le médium, 2 mots là-dessus, parce que c'est très récurrent ça, dans les enquêtes. Les policiers sont souvent contactés par des médiums et en général, ils vérifient. Oui, alors, suivant ce que peut dire un médium, il peut y avoir une vérification. Mais ça arrive souvent, on est d'accord. Oui, dès lors que vous faites un appel à témoins, et c'est pour ça que c'est une arme qu'on utilise avec parcimonie, parce que lorsque vous faites un appel à témoins par voie de presse, vous savez que vous allez, en retour, avoir énormément d'informations, parfois les plus... Rocambolesques. Et là, en l'espèce, il est clair qu'en février, aller vérifier la présence d'une barque au milieu de la Manche. Au milieu de la Manche, nous ne l'avons pas fait. La maison des parents Jourdain, où se trouve Jean-Luc, au moment de son interpellation, vous dites c'est la misère sociale. Et ce faisant, vous ouvrez une porte. C'est-à-dire que dans votre tête, c'est une explication de tout. Ah, ce n'est certainement pas une explication de tout, parce que des gens qui vivent dans la misère, il y en a malheureusement beaucoup, et tous ne passent pas à l'acte. On a en face de nous un duo, comme l'a dit le procureur général, les Siamois de l'horreur, des gens qui n'ont aucune empathie, aucune compassion, aucun respect pour autrui. Mais donc ça vient de la misère dans laquelle ils ont grandi quand même, de la violence de leur père. Cette misère doit contribuer, mais elle ne peut pas être l'explication en elle-même. Ce sont des gens qui ont des pulsions criminelles, des pulsions sexuelles, et qui sont en incapacité totale de les maîtriser, parce qu'ils n'ont pas le respect d'autrui. Alors j'ai été très intéressé par votre récit de la manière dont vous sélectionnez des binômes. Moi j'avais un peu, je pensais que ça se faisait peut-être pas au hasard, mais sur la base du volontariat. Je le sens, j'y vais. Où je te désigne. En fait, il y a une vraie réflexion en amont. Il y a du volontariat, mais en l'espèce, j'avais plus de volontaires que de places, si on veut dire. Et quand on connaît bien ces équipes, et j'avais traité l'affaire du gang de Roubaix l'année précédente, où les équipes sont mises énormément à contribution, donc on finit par connaître un petit peu les forces de chacun, qui marche avec qui. Et donc ça, c'est toute une alchimie que doit trouver le directeur d'enquête, qui est un peu un chef d'orchestre quelque part, donc faire travailler tous les instruments au meilleur niveau. C'est une chance d'avoir dans votre équipe Philippe, qui est un gars du coin et qui parle ch'ti.
Oui, c'est une chance. Philippe et René ont fait un très très beau binôme. Tout vient de chez eux. Tout vient d'eux et ils sont très complémentaires dans la façon d'approcher les choses. Mais d'une manière générale, une enquête ne se limite pas à un ou deux fonctionnaires. C'est la qualité du collectif et la force de la PJ, c'est son collectif. C'est cette capacité à s'engager vite et fort avec beaucoup de gens de manière à 100% de l'engagement et avec des gens très complémentaires et professionnels. Ces auditions, si elles avaient lieu aujourd'hui, se dérouleraient en présence d'un avocat. C'est obligatoire. Est-ce que ça aurait changé le destin de cette affaire, à votre avis ? C'est difficile à dire, mais je pense que oui. La présence aujourd'hui d'un avocat, quelque part, aseptise un petit peu la relation. C'est-à-dire que je mets entre guillemets le mot que je vais utiliser, mais cette complicité qu'on peut réussir à créer à un moment entre l'enquêteur et le gardé à vue, elle est beaucoup plus difficile aujourd'hui en présence de l'avocat, ou éventuellement aussi en présence d'un traducteur quand on est avec quelqu'un qui ne parle pas notre langue. La question en garde à vue autour de sa sœur morte par maladie, dont on voit qu'elle est extrêmement futée comme question, puisque c'est celle-là qui va amener aux aveux de Jean-Louis. C'est quelque chose qui est improvisé, ou c'est quelque chose qui est décidé avant, dans les ruptures qu'il y a dans les auditions et les petites réunions que vous faites? Je crois surtout que le binôme d'enquêteurs, il a l'initiative. Et notamment, c'est René qui, à plusieurs reprises, parle régulièrement de sépulture. Il parle moins que Philippe dans l'échange avec Jean-Louis. Mais il répète régulièrement, il parle de sépulture. Puis petit à petit, il y vient. Et c'est toute la psychologie de l'enquêteur criminel, d'être en capacité d'y aller doucement, d'approcher les choses et de passer du temps à échanger avec un gardé à vue. On est en 97 dans cette histoire. C'est une enquête qui déjà, à l'époque, est suivie par beaucoup de journalistes. On sent dans le jugement que vous portez sur le flash dans lequel il révèle en fait qu'on a retrouvé les quatre gamines et qui est la source d'information des mères. Elles l'apprennent par la radio. On sent que vous leur en voulez un peu, mais alors aujourd'hui, ça serait 10 fois ça, 100 fois ça. Aujourd'hui, vous auriez les chaînes d'infos continues, en live, en permanence, depuis la plage. Je ne peux pas dire que je leur en veux, parce que avec les moyens qu'on avait à l'époque, les moyens technologiques, je ne vois pas comment j'aurais pu prévenir les deux mamans, elles étaient en voiture. Voilà. Aujourd'hui, je pense quand même que... Avec le portable, on est à même de pouvoir tenir les familles en temps réel, voire même de détacher un enquêteur. C'est ce qui m'est déjà arrivé dans d'autres affaires de disparition. Et j'ai tiré une leçon de cette affaire, de détacher un enquêteur qui soit le point de contact privilégié de la famille, qui soit celui qui pourra, le moment voulu, annoncer à la famille l'avancée de l'enquête. Mais on ne peut pas tenir les familles au courant de toutes nos vérifications, parce que l'ascenseur émotionnel qu'on vit, on ne peut pas le faire vivre aux mamans. Et ces deux mamans pleines de courage, je dis souvent qu'il n'y a pas quatre victimes dans cette affaire, il y a aussi les deux mamans qui, ce jour-là, ont perdu l'envie de vivre. Ouais, et qui en sont mortes. Alors vos filles, finalement, elles doivent avoir autour de 30 ans aujourd'hui, un peu plus, elles un peu ont, moins. Elles ont autour de 30 ans, 28 et 30. Oui. Vous les avez laissées sortir adolescentes? Alors, c'est vrai que c'est une affaire où je me suis, peut-être l'affaire où je me suis transposé le plus. C'est-à-dire que dès que j'ai vu les quatre jeunes filles, j'ai tout de suite pensé à elles, notamment que mes deux filles étaient deux petites blondinettes. Et quand j'ai vu les photos de Peggy, Amélie, Audrey, Isabelle, il y avait deux blondes. Et donc, je me suis dit, mais comment je me comporterai en tant que père dans une quinzaine d'années quand elles seront en âge de sortir? Je pense que j'ai été en surprotection. Mais je ne pouvais pas non plus les garder sous cloche. Elles vivent leur vie et je veux dire, tout va bien. Mais je suis sans doute un père extrêmement précautionneux et je m'interroge beaucoup sur ce qu'elles font. Même si aujourd'hui, voilà, elles sont grandes, elles sont mères de famille pour l'une. Donc. Voilà, je tiens à dire deux choses au sujet de votre livre qui s'appelle « Le petit morceau de tissu rouge » qui paraît chez Michalon, signé donc Romuald Muller avec Elodie Rabé. D'abord, c'est un livre passionnant et surtout, je n'en ai pas raconté le quart du dixième. Il y a tout un tas de choses, je me suis concentré sur le rôle de la police dans cette affaire-là. Il y a 1 milliard de choses alentour qui sont passionnantes à lire et j'invite vraiment nos auditeurs à acheter et à lire ce livre. Merci beaucoup Romuald Muller. Merci à vous.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.